Duo en tête hein, que lors de la toute première course de l'année à Motorland Sense avait devancé Fringe. Attention, dans le raidillon, il s'est passé quelque chose. Et là, évidemment, on frémit toujours hein, lorsqu'on voit ça. Alors, il y a John Bryant Meissner qui est impliqué. Et également Famy Ilias du Fortec Motorsport. Ouais, safety car. Safety car parce que là, c'est quand même limite avec le pilote qui sort de sa voiture et les voitures qui passent très très rapidement. SC, safety car. On ne prend pas de risque. Alors, ça s'est passé effectivement dans la montée. Et j'ai l'impression que Bryant Meissner arrivait derrière. Et que c'est, ça n'est pas lui forcément qui a été concerné dans la première partie de cet incident. En tout cas, donc course neutralisée. Après un petit peu moins d'un quart d'heure de course. Et Sense avait donc bien fait de s'emparer de la première place, voilà. Ah, regardez, Will Stevens est deux. Will Stevens a doublé Robin Fringe. On ne l'a pas vu, mais juste avant l'irruption du safety car, eh bien manifestement, donc Will Stevens avait réglé son compte à Robin Fringe. Allez, tout le monde au ralenti, bien sûr. Et les véhicules de sécurité qui sont en train d'intervenir pour dégager les voitures. Ça va prendre quelques instants, quelques tours même peut-être. Donc je vous rappelle, hein, sont impliqués Famy Ilias et Bryant Meissner. John Bryant Meissner, pilote sous licence suédoise. Au sommet du raidillon donc, on s'est accroché. Et donc maintenant, on va attendre le restart. Donc le classement, Sense Junior, Stevens, Fringe, Kivat. Attention, parce que là, c'est pas les mêmes pilotes. C'est Timmy Hansen qui fait signe qu'il va bien, mais que s'est-il passé? Ah là là, est-ce que des pilotes n'ont pas vu que la course était neutralisée? Ouais, non, là, il s'est passé autre chose. Alors là, je vois le coup venir. À mon avis, la course est neutralisée et certains sont arrivés trop vite. Parce que regardez, là, il y a au moins un ou deux autres pilotes impliqués. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a pu se dérouler, mais ça ressemble à ça. Et Timmy Hansen donc est impliqué, le fils de Kenneth Hansen, hein, bien sûr, le multi-champion d'Europe rallycross. Alors Timmy Hansen, il est là, il est carrément arrêté, ouais. Donc on s'était arrêté dans le raidillon, derrière la voiture de sécurité. Oh là 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 là! Mais la vitesse à laquelle Grégoire de Moustier arrive! Mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?